Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Trash or Die, l'émission qui parle de... Wow, je l'ai pas vu venir celui-là. Alors comme vous avez pu le voir, le groupe à l'honneur aujourd'hui c'est Havoc. Et on va aussi parler d'un truc qu'on a récemment évoqué dans l'épisode de Metallica sur Megadeth et pour lequel Havoc est un très bon exemple, les paroles politiques. Donc tout commence en 2004 à Denver dans le Colorado lorsque David Sanchez, guitariste-chanteur, crée le groupe alors qu'il est encore au lycée. Quelques démos et EP plus tard, sans compter les changements de line-up qui laisseront David seul membre d'origine du groupe, Havoc sort son premier album, Burn, en 2009. Eh bah putain, y'a pas à rougir hein, pour un premier album. S'il était sorti dans les années 80, il aurait au moins été au même niveau que ceux de Testament et Overkill, pour citer des exemples qu'on a vus. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon album. Techniquement, ça assure, les riffs sont du très bon headbang material, comme on dit en anglais, et le chant de David est tout ce qu'on peut demander à un chanteur de thrash. Voilà qui a très bien préparé le terrain pour Time Is Up. Voilà. Là, c'est bon, on a un album qui déchire la putain de sa race. Encore avec un line-up différent, cette fois-ci c'est David et le bassiste Jesse qui restent, et on a de nouveau en guitare et batterie. Et d'ailleurs, je pense que la batterie de Pete Weber y est pour beaucoup dans l'énormité de cet album. Ça, et les riffs bulldozer qui nous envoient sur quasiment tous les morceaux. Et puis bon, dessus, il y a Fatal Intervention. Et là, accrochez-vous à vos slibards. Meilleur morceau de l'album. Meilleur morceau du groupe. Meilleur morceau de thrash de tous les temps, putain! Excusez-moi, je me suis peut-être un peu emporté. Mais c'est ma faute aussi, moi, si le groupe y sort des morceaux pareils. Donc, Fatal Intervention... Time Is Up. Donc l'album est encore mieux que Burn, qui était bon mais un peu plus... neutre, si je puis dire. Tous les morceaux sont bons, mais il manque du petit truc en plus qui fait qu'il serait énorme. Alors que Time Is Up, bah, des morceaux énormes, tu t'en prends 6 ou 7 dans la gueule d'un coup, quoi. Bon, après, je chipote, hein, c'est juste parce que Time Is Up est tellement bien que je me sens obligé de marquer les différences, mais Burn est vraiment cool. Le suivant sera un poil en dessous également, mais franchement, ça va aussi. Unnatural Selection, donc le troisième album d'Havoc sorti en 2013. Comme je le disais à l'instant, je le trouve globalement moins bon que Time Is Up, il y a vraiment que 3 ou 4 morceaux qui ressortent vraiment du lot et le reste est un peu en demi-teinte. J'irai pas jusqu'à dire que l'album est mauvais, mais quand on sort de Time Is Up, c'est juste pas évident de faire aussi bien. Le gros point positif de cet album, c'est la batterie. Pete Weber est un monstre de précision et d'efficacité dans sa vitesse, et c'est clairement lui qui porte l'album. Et là, on commence à entrer dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui avec I Am The State qu'on vient d'entendre, ou encore l'excellent Give Me Liberty or Give Me Death. Et ils y vont pas en douceur, hein. Democracy is dead, tout ça, et en bonus la petite citation de Thomas Jefferson à la fin. When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty. Mais ça, c'est que le début. Parce que l'année dernière, ils ont sorti Conformicide, leur 4e album. Et là... Là, ça y est. Plus de retenue, on donne tout ce qu'on a. Juste avant d'aborder les paroles, je voudrais parler d'un point assez important de l'album. Cette putain de basse! Mais incroyable quoi! La première fois que j'ai écouté l'album, j'ai halluciné. Et je suis pas le seul, hein. Sur YouTube, le top commentaire c'était ça. Sainte mère de la basse!
Ces purs slaps et lignes de basse, on les doit à Nick Chenzielos, nouvelle recrue d'Avoc, qu'ils ont trouvé dans le groupe de grindcore Céphalique Carnage, qui vient aussi du Colorado. La basse était déjà bien technique dans les albums précédents, mais là on atteint un tout autre niveau. En plus, chez Avoc, elle est souvent bien présente dans le mix, et ça, ça fait plaisir. Je vous renvoie à l'épisode de Metallica sur la basse si jamais vous l'avez pas vu. Allez, cette fois c'est la bonne, on va parler des paroles avec un petit jeu. La roue de la dénonce. Allez, on attaque avec le premier sujet. La religion, ouh, ça commence fort. Dogmaniacal. Deuxième tour. Le politiquement correct. Ah, elle est bien celle-là. Encore un petit tour? Allez, c'est parti. Les médias. Ah, celle-là, elle rigole pas. Petite dernière pour la route? Allez, je sais que vous en avez envie. Les politiciens, très bon ça. Abusé comme Eagle sur ce refrain. D'ailleurs, j'ai l'impression que plus les albums avancent, et plus Eagle. Non pas que ça me gêne, hein. J'avoue que, vu les textes, ça colle quand même mieux que s'ils chantaient gentiment. Après, le fait d'être aussi vénère dans leurs paroles, ça les empêche pas de faire preuve de légèreté de temps en temps, hein. Par exemple, voilà la photo de profil de leur page Facebook. Alors, y'a rien là? Un autre truc que j'adore chez Avoc, c'est que parfois le chanteur va envoyer une petite punchline pour lancer le solo de guitare, et c'est tellement efficace. Petits exemples. Et mon préféré. Du coup, pour revenir sur les paroles, c'est quelque chose d'assez répandu dans le thrash d'avoir des paroles engagées comme ça. Enfin, ça dépend des groupes, hein, y en a qui s'en foutent. Comment expliquer ça? Alors, pour moi, déjà, c'est un des autres héritages du punk, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents. Les mecs sont en colère et ils servent de leur musique pour faire passer leur message. Et aussi, vu l'agressivité des riffs et des morceaux en général, je pense que ça colle vraiment bien d'avoir des messages forts derrière. C'est sûr que tu vas pas aller gueuler contre la guerre ou le contrôle des médias en faisant du folk ou du power, hein, c'est pas trop le délire. Après, à titre personnel, j'avoue que je sais pas trop où me situer par rapport à ça, parce que ça a vite tendance à me gonfler quand un groupe va balancer ses idées politiques, surtout à un concert entre des morceaux. Thank God that Bush cunt is out, huh? Let's not put another fucking Clinton in there, huh? Mais par contre, quand c'est dans leurs paroles, ça me gêne moins. Parce que la musique derrière appuie la colère avec son agressivité, et du coup ça passe beaucoup mieux. Peut-être que le fait de le faire dans les paroles c'est moins gênant parce qu'elles sont travaillées, voire un peu romancées parfois, c'est pas juste le message posé là comme une merde sur une planche. Comment? Excusez-moi, sire, c'est sur le coup du... Enfin bref. Du coup, au niveau des suggestions d'albums, eh bah, comme pour le Society, y a pas énormément de choix de toute façon, mais si je peux vous donner un conseil, commencez par Time Is Up, vous serez pas déçus. Après, bah, Conformicide est bien pour continuer, même s'il y a un peu trop de mid-tempo pour moi, vous connaissez la chanson, mais le son est excellent, surtout la basse. Et puis ensuite, Unnatural Selection et Burn, ils se valent à peu près en qualité. Avoc a pas encore fait de mauvais album, donc vous pouvez pas vraiment vous tromper en allant écouter leur boulot. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Metallica, et restez attentifs, il y a quelques surprises qui vont arriver très prochainement. À la vôtre!